Alors bonjour, je me nomme Jean-Félix Giguère-Groux, conseiller ici pour la région des Laurentides, pour le secteur de la formation générale des adultes. Donc, pourquoi j'aime utiliser le Miro? D'une part parce que c'est un outil qui est extrêmement facile d'utilisation, c'est un outil qui est très intuitif, mais c'est aussi un outil qui permet à ce que toute forme de conception puisse être réunie dans un seul environnement, qui peut aussi permettre à ce que des gens qui ont des façons très différentes de concevoir un contexte de travail ou une problématique ou quoi que ce soit, puissent être capables d'avoir une vision assez globale, une vision d'ensemble. Donc, personnellement, je suis une personne extrêmement créative, j'ai besoin d'images, j'ai besoin de schémas, j'ai besoin de mots-clés pour être capable de comprendre l'information dans son ensemble. L'outil Miro est un outil qui est très performant à ce niveau-là et permet de faciliter la collaboration, d'avoir une vision globale et ce, peu importe le type de prise de notes que les gens peuvent prendre. On peut intégrer des textes, on peut intégrer des post-it, on peut intégrer différentes formes, donc autant des cercles, des losanges et ainsi de suite. Donc on peut déterminer des espaces comme on le voit en ce moment à l'écran. On peut aussi intégrer des flèches, puis c'est aussi une des forces d'ailleurs, donc de pouvoir faire des liens, de faire des ponts. On peut très facilement utiliser des couleurs. On a des couleurs qui sont peut-être limitées au niveau des post-it, mais dans son ensemble, on peut utiliser pratiquement n'importe quelle couleur. On peut aussi utiliser plusieurs types de polices de caractère, comme on peut le voir là-dedans. L'utilisation des post-it, c'est vraiment optimiser la partie de contribution, collaboration, un peu donc des activités de brainstorming ou quoi que ce soit. Comment choisir les bons outils numériques pour répondre à des besoins de collaboration? Déjà, comme je le disais, avec le Miro, on peut collaborer de plusieurs façons. Il y a plusieurs formes de gabarits que vous pouvez utiliser, donc qui sont disponibles dans les fonctionnalités du Miro, de pouvoir voir rapidement le processus. Donc, autant que on va le voir dans quelques secondes comme étant une des activités d'amorce, mais essentiellement dans ma pratique, c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus pour montrer la progression de certains chantiers, de montrer la progression aussi de certaines formes d'échange, de partage ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment un outil de mise en page d'idées qui est encore en évolution. C'est aussi un outil qui facilite la mise à contribution des expertises et des ressources. On peut facilement prendre n'importe quel document qu'on a disponible sur notre ordinateur et venir le copier-coller dans le fond dans le Miro, puis à ce moment-là, on peut le placer, soit le regrouper en fonction d'idées qui sont connexes au matériel ou aux ressources, ou sinon, on peut littéralement le placer sur une ligne du temps. Le Miro aussi a un avantage de respecter le rythme ou le mode de fonctionnement de chacun. Vu que c'est des éléments qui sont extrêmement visuels, chaque personne peut vraiment y mettre sa couleur, y mettre ses formes. Donc ça fonctionne quand même très bien à ce niveau-là. Dans sa perspective collaborative, on peut aussi bonifier les idées partagées. Vu que c'est un document qui est collaboratif, donc on peut faire des zoom-in, zoom-out, on peut faire des flèches, donc faire des liens, puis justement partager du matériel qu'on peut mettre à disposition du groupe. Donc c'est vraiment un outil qui favorise, si on veut, la mise en commun des ressources. C'est un outil de partage qui est assez puissant. On va regarder un exemple. Donc, justement, comment on peut utiliser le Miro comme étant une activité d'amorce ou pour une première rencontre. Donc, si on voulait qu'un groupe se partage le portrait d'un milieu, donc là, exemple en lien avec les pratiques collaboratives. Donc, quels sont les défis qu'on rencontre dans un milieu? Quels sont les éléments positifs qu'on rencontre dans un milieu? Quelles sont les plus belles réussites que vous avez mises en place dans vos milieux? Puis, quelles sont vos prochaines priorités? Quels sont les éléments que vous voudriez mettre en place dans un avenir relatif? Donc, comme on peut le voir en ce moment, les post-it s'animent, donc les gens, les collaborateurs vont pouvoir à ce moment-là remplir les différentes sections et en bout de ligne, on va pouvoir faire en plénière un retour sur les différentes informations qu'on a récoltées. Ce qui est un élément intéressant à mettre en place pour une activité d'amorce.